garçon, ceci, ceci, la paix. La paix, de façon, le retour de la paix, le retour de la sécurité et le retour de nos parents chez eux. Tous ceux qui ont quitté leur village, de pouvoir rejoindre leur terre. Voilà, et que vraiment les choses reprennent. Voilà, et que, en tout cas, tous les aspects au niveau, tous les aspects de la vie au Burkina Faso, que ce soit économique, social, politique, tout reprend. Donc, nous plaçons vraiment sur ça. Et nous plaçons aussi sous le signe d'une bonne saison de pluie. Parce que le gibbon même, le fondement même, c'est ça. C'est demander une bonne saison de pluie aux ancêtres et une bonne récolte et la paix et le bonheur pour la population. Même avant le gibbon, nous, on est venu ici. Il y a deux jours de cela aussi pour donner, pour faire une libation, un rituel spécial pour les FDS. Ça, c'était le pré-gibbon. Donc, on a inclus les FDS et on a inclus aussi tous ceux qui sont partis. Parce que quand même, il y a eu beaucoup de sang qui ont été versés sur la terre du Burkina Faso. Donc, ça a été fait. Donc, aujourd'hui, en fait, c'était juste de le mentionner. Et même pendant la libération aussi, on est revenu encore sur ça. On est revenu que les ancêtres et puis le Tout-Puissant vraiment protègent nos FDS où qu'ils se trouvent. Là, nous reviennent. Voilà, on a eu à mentionner ça quand on versait l'eau. Gibbon, c'est du Djoula, ça veut dire verser de l'eau. Gi, c'est l'eau. Bon, c'est verser. Donc, c'est verser de l'eau. En fait, dans l'ancien temps, nos ancêtres avaient coutume, avant l'entrée dans l'hivernage, de faire des cérémonies pour souhaiter une bonne saison de pluie. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'ils faisaient, verser de l'eau. L'eau, le symbole, c'est par rapport à la pluie qui apporte de l'eau. C'est pour qu'il y ait une bonne pluviométrie. Parce que la vie de l'Africain, j'allais dire, c'est sur le cycle de la passion des pluies. Parce que l'Africain vivait à partir de ça. Donc c'est ça qui rythmait la vie en Afrique. Donc chaque entrée d'hivernage, on versait l'eau pour demander aux ancêtres vraiment une bonne saison et aussi les remercier parce que peut-être l'année passée on avait demandé, donc cette année encore c'est remerciement. Si vous voyez ici, il y a des gens qui sont venus avec leur poulet, c'est pour venir remercier parce qu'il y a des gens qui sont venus demander des choses l'année passée ici et ça s'est exaucé, donc ils sont revenus encore pour le remerciement. Donc le gibbon, c'est ça, c'est gibbon versé de l'eau, tout simplement. Je suis là aujourd'hui pour honorer les ancêtres. Voilà. C'est notre culture, on est trouvé, donc c'est un devoir pour nous de les honorer. J'ai apporté un coq et heureusement, Dieu merci, je peux dire merci aux ancêtres, ils ont accepté mon coq. C'était pour une doléance. Voilà. Dieu vous merci. Croyez à ça fermement? Je suis né dans ça. J'y crois fermement. Parce que on est né trouvé. Et on va mourir dans ça. Un sentiment de fierté, de joie et d'allégresse. Je suis contente de ce que je fais. Je suis contente de qui je suis. Je suis fière de l'être. Chaque fois qu'il y aura le gibbon seulement, je serai là. Je serai au rendez-vous. En tout cas, que les ancêtres me le permettent. Je serai au rendez-vous.